Bienvenido y Colombia. Fluidica Music. Donuts on the beat. On se croirait dans Jurassic Park. Hello les challengers, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos ici en Colombie. Je vais faire 3 vidéos différentes et c'est parti pour une randonnée dans la magnifique vallée de Cocora. Let's go! Comme vous le voyez, il y a beaucoup d'eau et on va devoir traverser juste là. J'ai mes bottines en main, on peut y aller, let's go. Je me trouve en plein milieu de la vallée de Cocora. Cette vallée est mondialement connue en fait pour ses palmiers, comme vous voyez derrière moi, qui peuvent parfois mesurer jusqu'à 60 mètres de haut. Et honnêtement, c'est incroyablement beau. On est occupé avec une montée bien raide. Je vous avoue que je suis bien essoufflé. C'est pas encore fini. Mais par contre, je sens que la vue en vaudra vraiment la peine. Je viens d'arriver en haut avec mes potes, regardez-moi la vue incroyable. Vraiment, c'est une des plus belles vallées que j'ai jamais vues. On vient de rentrer de la vallée de Cocora et maintenant on va faire une petite visite de la ville de Salento. Let's go. Deuxième jour ici en Colombie. On a passé la nuit ici à Salento. Maintenant direction la gare des bus pour un bus qui va être livré 7h direction Jardín. Ça fait 1h15 qu'on est dans un bus. Je vais vous le montrer, il est juste là. C'est assez mouvementé. C'est des chemins de campagne. Il y a beaucoup de nids de poules. Et là, on en a encore pour 2-3 heures avant d'arriver à Jardín, prochaine destination de ce voyage en Colombie. On vient d'arriver ici à Jardín et là avec mon groupe de potes on va trouver un petit endroit pour aller manger et demain on va faire une longue balade pour voir plein de belles cascades. Vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts ou pas? Je vais vous montrer la première cascade de ce sentier. Incroyable! On se croirait dans Jurassic Park. Alors là maintenant on se trouve devant une grille d'une maison et au loin il y a un berger allemand qui est en train de tenir la garde. On verra bien comment ça se passe. Faut être prudent. On est en pleine hésitation sur le fait de traverser le petit chemin là-bas ou pas. Je pense qu'on va pas le passer, on va faire demi-tour, c'est plus prudent. Finalement, on a décidé de quand même passer à droite de la maison.
Alors là, on est arrivé à la cascade numéro 2. Personnellement, je préférais la première, mais on va manger juste en bas. On aura vu deux magnifiques cascades aujourd'hui, mais maintenant il est l'heure de rentrer pour continuer le planning de la journée. Je pense que je l'ai. Là maintenant, on est en train de traverser une plantation de bananiers. C'est pas prévu au programme, mais si on a l'occasion de faire une visite d'une plantation de bananes, ce serait avec grand plaisir parce que je trouve que les arbres sont incroyablement beaux. Et puis en plus de ça, c'est un fruit que j'adore. On est actuellement dans la réserve naturelle des Rocas, ici à Yardin. Avec mon groupe de potes, on est en train de marcher et on essaye d'observer un maximum d'oiseaux. Après avoir passé du super temps ici à Yardin, il est temps qu'on aille à Medellín. Un tout grand merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se voit très bientôt dans le prochain épisode en Colombie. Let's go!